Hella, 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 hello. Salut, salut les meilleurs, ici Debra, communauté ton mentor en transformation de DebraCommunity.com. Écoute, je suis super excitée parce que je te dirai exactement là une chose que tu peux faire pour tout voir changer. Et en passant, ce principe que je vais te partager un principe divin que tu peux appliquer dans tous les domaines de ta vie. I'm serious, j'ai bien dit tous les domaines, dans ta vie financière, maritale, amoureuse, spirituelle, tous les domaines. Alors si tu fais cette une chose-là, ta vie va vraiment changer. Tu vas voir les choses vraiment changer autour de toi. So, avant qu'on commence et qu'on aille trop loin, je vais juste te dire ce qui s'est passé pour moi, ok? So, récemment, on a eu cet événement immense, le One Day Transform, que je sais qui a vraiment aidé à transformer la vie de plusieurs personnes. Et lorsque j'ai partagé cette une chose-là que je vais partager avec toi aujourd'hui, j'ai eu tellement de commentaires de retours positifs que je me suis dit que je ne peux pas ne pas te partager cette une chose-là qui pourra potentiellement changer tout pour toi. Cette une chose qui pourra potentiellement changer ta vie entière. Yes, yes. Cette une chose-là. Alors, je vais te partager aujourd'hui la une chose que si tu fais dès maintenant dans ta vie, tu pourras voir réellement les choses changer. Ok, alors cette une chose, ça c'est une loi et un principe, une loi, un principe que j'appelle le principe, la loi de la consacration. Sur cette loi de la consacration, on appelle ça la loi du focus. Cette loi de la consacration, elle dit ceci, que ce sur quoi tu te concentres, c'est exactement cela qui grandit. Et pendant que je parle, je veux juste que tu cliques sur partage, que tu partages message. Ce sur quoi tu te concentres, c'est exactement ça qui grandit. Et je me dis, peut-être tu l'as déjà entendu auparavant. Maintenant, clique sur partage avec quelqu'un d'autre à écouter ce message, à recevoir cette clé. Je te vois partager et me dis que tu as partagé, je te fais un shout-out. Donc, ce sur quoi tu te concentres grandit. Si je me concentre sur le fait que je suis heureuse, c'est exactement ça qui va grandir. Et si je me concentre sur le fait que je ne suis pas heureuse, c'est exactement faire ça qui va grandir. En fait, la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on a une autre vie à 100%. Mais il y a 98% des choses qui vont super, super bien. Beaucoup de choses vont bien dans notre vie. Mais parce qu'on se concentre sur le 2% des choses qui vont mal, on oublie les 98% des choses qui vont bien. Par exemple, ce qui va bien présentement, c'est sûrement que tu as la capacité d'avoir une connexion Internet pour me voir. Right? Ce qui va bien en ce moment, c'est que tu as la capacité d'avoir peut-être un appareil électronique. Pour même avoir une connexion Internet, il faut avoir un appareil électronique. Et tu l'as. Ce qui va vraiment bien en ce moment pour toi, c'est peut-être que tu es en santé. Peut-être parce que tu as les membres, tu as les yeux. Right? Même si tu es en parfaite santé, au moins tu as les yeux. Au moins tu as les oreilles. Right? Il y a 98% des choses qui vont super bien dans notre vie. Mais on est tellement habitué à se concentrer sur les deux choses, les 2%. Les 2% qui vont mal. Et devine quoi? Et c'est exactement ça qui grandit. Alors, ce sur quoi tu te concentres grandit. Si simplement tu arrêtes de te concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce qui va mal, sur ce qui est compliqué, sur ce qui est décevant, sur ce qui est difficile, tu seras choqué de voir à quel point, parce que tu t'es concentré sur les choses qui vont bien, hein, c'est exactement ça qui va grandir. En d'autres mots, disons par exemple que je suis quelqu'un qui n'a pas assez d'argent. Right? Et je me concentre sur le fait que je n'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce qui va grandir? Le fait que je n'ai pas assez d'argent, tu l'as compris. Mais maintenant, même si je suis quelqu'un qui n'est pas super pleinement riche, je me considère comme quelqu'un de riche quand même. Ah mais je suis riche. Riche n'est pas forcément juste financier, comme je suis milliardaire en passant, ok? Je ne suis peut-être pas encore en dollars, visiblement, mais je le suis même en esprit, je suis milliardaire, gars. Je peux te dire que je suis milliardaire, j'y crois. Right? Alors, parce que je ne me concentre pas sur les choses que je n'ai pas, mais sur les choses que j'ai en esprit, les choses que je sais que c'est déjà pour moi dans le royaume des cieux disponible, c'est exactement ça qui grandit. Je ne me concentre pas sur ce que je n'ai pas, mais je me concentre sur ce que j'ai. Maintenant, je vais te dire ceci, il y a deux choses. Il y a ta réalité, ce que tu vois chaque jour, et il y a ta vérité, ce que tu perçois avec tes yeux spirituels. Ta réalité, tu le vois chaque jour avec tes yeux naturels, et ta vérité, ce que tu perçois avec tes yeux spirituels. Si je me concentre sur ce que je vois chaque jour, très souvent la plupart d'entre nous sera dépressif, stressé, anxieux, fatigué, frustré, rempli d'agonie ou bien d'amertume dans le cœur. Mais si tu regardes pas ce que tu vois et tes yeux naturels, mais ce que tu perçois et tes yeux spirituels, tu seras heureuse, dans l'abondance, joyeuse, souriante, aimable, amoureuse. Et tu ne vas pas regarder ce que tu n'as pas. Tu vas regarder ce que tu as. Parce que la vérité, c'est que lorsque je me concentre sur les choses que j'ai, sur les choses que je perçois, j'ai toujours, il n'y a pas de manque dans l'esprit. Hello! Je ne suis pas un manque, je suis multimilliardaire. Hello! Et c'est ça qui est disponible pour moi en esprit et c'est ça que j'ai.
Pendant que je te parle de cette parole qui demande de se concentrer, où on dit que sur Seigneur, j'oublie vraiment, c'est où le verset? J'oublie, c'est où ce verset? Cette parole qui nous dit ceci, qu'il faut qu'on se concentre en tout cas à penser les pensées de Dieu et à se concentrer sur les choses du royaume. Les choses du royaume, c'est vraiment l'abondance. Il dit, en d'autres mots, version des bras, ne regarde pas aux choses naturelles que tu as ou que tu n'as pas. Regarde pas aux choses naturelles que tu vois, ne te concentre même pas sur les choses matérielles ou quoi que ce soit. Mais concentre-toi sur les choses du royaume. Les choses du royaume, c'est l'abondance, baby girl. Les choses du royaume, c'est le succès, mister. Les choses du royaume, c'est l'abondance, le succès, le progrès, l'amour, la passion, la sérénité et toutes les choses exceptionnelles, la joie. Alors si je me concentre sur les choses du royaume seulement et j'arrête de me concentrer sur les choses du monde, je ne peux que être dans l'abondance. Je ne peux que être heureuse. Et pendant que je dis ça, je sais que tu vas dire, Debra, ce que tu dis est vrai, c'est juste, mais c'est difficile. Mais là, écoute ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est bien sûr que c'est difficile. Of course que c'est difficile. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même a choisi d'habiter en toi. Hey! C'est justement parce que c'est difficile de changer de concentration. C'est justement parce que c'est difficile de te concentrer sur les choses de la vérité et non de la réalité. C'est justement parce que c'est difficile pour toi de te concentrer sur la réalité, les choses que tu vois du monde, au lieu de te concentrer sur les choses célestes. C'est parce que c'est difficile que le Seigneur lui-même est venu habiter en toi. Écoute ça, il vit en toi. Attends, il vit en toi. Je te dis, tu n'as pas compris. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cœur, que tu n'as pas mis de boss, parce que tu ne comprends pas. Il vit en toi. Parce que Dieu sait que c'est difficile pour toi de vivre la vie qu'il a prédestinée pour toi. Parce qu'il sait que c'est difficile pour toi de vivre la vie d'abondance et de joie et de réussite et de succès et d'amour qu'il a préparé d'avance pour toi. Il a décidé de venir habiter à l'intérieur de toi. C'est pour ça la parole dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que où le Saint-Esprit habite, qui est en toi si tu es chrétienne. C'est ça qui est son temple. Hello! Dans ton corps, pas dans ton imagination, pas dans ton spirituel. Ton corps, ce corps, est le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est parce que c'est difficile de vivre une vie de chrétienne à succès, parce que c'est difficile de vivre une vie chrétienne de feu, de victoire. C'est pour ça qu'il est venu en toi. C'est pour ça que Dieu lui-même est venu en toi pour rendre les choses faciles pour toi. Pour rendre les choses faciles pour toi. Mais maintenant, guess what? Guys, il y a quelque chose qui m'intrigue à chaque fois que je dis cela. OK? Parce que j'ai cette parole, j'ai cette pensée en tout cas. Parce qu'une fois, j'ai lu la Bible. C'est écrit quelque part dans la Bible, dans l'Ancien Testament. OK? Et ça parle de l'histoire de l'arc de Noé. L'arc de Noé, non. Seigneur, j'oublie le mot. Anyway, tu vas sûrement te rappeler de quoi je parle. Et il y a comme cette arc-là, si je ne me trompe pas, que les Israélites devaient porter pour transporter la présence de Dieu. Tu te souviens? Tu peux écrire le nom dans le chat. Right? Les Israélites devaient porter cela pour transporter la présence de Dieu. Tu vois de quoi je parle? OK. Alors maintenant, les gens nous disent ceci. Dans la Bible, c'est écrit ici dans l'Ancien Testament que David, lorsqu'ils avaient gagné la victoire, il avait peur de transporter la présence de Dieu chez lui. Il est comme, je crois que c'est l'arc, j'oublie le nom. Il dit, cela est trop précieux, c'est trop. Et ça, la présence de Dieu, ça peut me tuer, c'est trop fort, quoi. Il a dit, il a transporté cela et a dit, on va l'amener chez quelqu'un d'autre. Et j'oublie le nom de l'homme en passant. Mais tu es dans la Bible, OK? Il a amené cela dans la présence de quelqu'un d'autre, dans la maison de quelqu'un d'autre. Devine quoi? Quelques temps plus tard, David a remarqué que cette personne était devenue extrêmement riche. Quelques temps plus tard, David a remarqué que cette personne est devenue remplie de faveurs. Il a commencé à manifester la surabondance au point que David, le roi, a dit, wow! Attends, depuis que l'arc est chez lui, depuis que ce qui représente la présence de Dieu est chez lui, il ne fait que prospérer. Il n'est pas détruit, il n'est pas tué, mais il ne fait que prospérer. Alors David est comme, non, je veux l'avoir, ramène-moi ça. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que cela, ça transportait la présence de Dieu. Et partout où la présence de Dieu se manifeste, le succès se manifeste. Partout où la présence de Dieu se manifeste, la joie et l'abondance et la faveur se manifestent. Partout où la présence de Dieu se manifeste, l'amour se manifeste. Devine quoi? En toi se trouve le temple du Saint-Esprit. Tu es toi, si tu es chrétienne. Né de nouveau, right? Tu as la présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu est à l'intérieur de toi. Therefore,
Tu dois manifester les œuvres du royaume, le succès, l'abondance, la paix, la joie, l'amour, la surabondance. Et pendant que je dis ça, beaucoup de me disent, c'est vrai, je suis chrétien, je vais à l'église, et là. Mais je ne manifeste rien de cela. Au contraire, je manifeste les frustrations, je manifeste les doutes, les cris, les pleurs, les amertumes, je manifeste les groupes, c'est difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Et à chaque fois que je vois ce genre de réponse, j'ai juste envie de poser une question suivante. Est-ce que tu te laisses guider par le Saint-Esprit? Est-ce que tu te laisses guider par le Saint-Esprit? Ou bien tu te laisses guider par ta propre chair? Écoute, cette parole extraordinaire dit ceci, qui est dans la Bible, ou encore une fois, je ne sais pas où, j'ai oublié carrément c'est quoi le verset. Cette parole dit ceci, et dit que tant que l'héritier sera un enfant, tant que l'héritier sera un enfant, il ne différera en rien de l'esclave. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et c'est peut-être ça que tu vis. Peut-être le truc, c'est que tu es encore un enfant, quelque part, j'imagine. Peut-être pas, who knows. Mais peut-être tu es encore un enfant. Peut-être tu te laisses encore guider par ta chair, par tes impulsions, par tes émotions, tes sentiments. Et c'est ça, et tu empêches vraiment le Saint-Esprit de marcher et d'agir dans ta vie comme il devrait opérer. Parce que tu te laisses toujours et encore guider par la chair. C'est pourquoi il est tellement important pour toi et moi d'avoir pour mission ultime lorsqu'on devient enfant de Dieu, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. De se laisser conduire par le Saint-Esprit et de transitionner l'équité de fille de Dieu, enfant de Dieu, à fils. Ouais. Alors, cette semaine, je t'invite à choisir de te laisser conduire et guider par le Saint-Esprit qui est déjà en toi. Tu sais, il n'y a pas de magie à ça. Il n'y a pas de stratégie spécifique à ça. Il faut que tu prennes la décision de bâtir une intimité avec le Seigneur, de transitionner de religion à relation. Et parce que tu es dans une relation avec lui, tu entends maintenant sa voix. Right? Lorsque mon mari me parle, même s'il est de loin, s'il m'appelle, même s'il est de loin, j'entends sa voix et je reconnais la voix de mon mari. Pourquoi? Parce qu'on est intime ensemble. Right? Et parce qu'on est intime ensemble, lorsqu'il me donne un conseil, il me dit de faire quelque chose, je le fais. Parce que je connais qu'il a les bons plans pour moi. Alors, je reconnais sa voix, je fais ce qu'il me dit. Pourquoi? Parce qu'on a une intimité ensemble. Alors, si c'est que tu veux commencer à être conduit par le Saint-Esprit, je t'invite d'abord à bâtir une relation avec lui. Prends du temps pour méditer la parole chaque jour, à lire cette parole qui est dans la Bible. Right? Prends du temps pour juste commencer à parler au Saint-Esprit comme si tu parlais à ton ami, même si tu ne le vois pas dans le monde physique. Mais tu le vois spirituellement. Prends du temps à part pour juste prier, te prosterner, louer, toi tout seul avec lui. Commence juste à parler et à surtout lire ta parole. Et tu verras, à un moment donné, tu vas commencer à reconnaître comment Dieu parle. Tu vas commencer à reconnaître comment Dieu prononce certains mots. Si c'est toi, si c'est la chair, si c'est l'esprit. Tu vas commencer à reconnaître. Et avec le temps, parce que tu communiques avec lui, tu as une relation avec lui, il commence à te parler. Et lorsqu'il te parle, tu reconnais sa voix clairement. Et parce que tu reçois sa voix clairement, tu te laisses guider par lui facilement. Parce que tu te laisses guider par lui facilement, tu commences à manifester les fruits du Saint-Esprit. Parce que tu manifestes les fruits du Saint-Esprit, tu commences à changer de vie. Tu commences à être transformé, restauré. Toute ta vie prend un autre tournant à cause du glorieux Saint-Esprit qui peut habiter, qui habite en toi si tu es déjà un enfant de Dieu. Écoute ceci, je finis pour te dire ceci. Je finis par te dire ceci. La loi de la concentration te dit que ce sur quoi tu te concentres grandit. Si tu te concentres sur le monde, c'est exactement le monde qui va grandir en toi. Si tu te concentres sur le royaume des cieux, c'est exactement les choses du royaume, le royaume qui va grandir en toi. Si tu te concentres sur tes œufs, sur tes défauts, tes manquements, c'est exactement tes défauts et tes manquements qui vont grandir. Mais si tu te concentres sur la gloire de Dieu, sur tes qualités, tes habiletés, tes capacités, c'est exactement ça qui va grandir, qui va grandir. Je me souviens une fois, j'ai entendu quelqu'un dire les bras, celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas, tous les deux, ils ont raison. La vérité, c'est que ce à quoi tu crois, ce que tu dis, que tu crois, que tu penses, c'est ça qui se manifeste et qui arrive dans ta vie. Alors vas-y, applique ce principe dans ta vie et commence à la voir se transformer autour de toi. Si ce soit bénéfique, on se dit à la prochaine.